وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant des tentations dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, les tentations sont présentées au cœur comme chaque bâtonnet de bois se présente l'un à l'autre pour former une natte. Quand on forme une natte, c'est avec des petits bâtonnets. Chaque bâtonnet, il est obligé de toucher l'autre, n'est-ce pas? De se présenter à l'autre pour se croiser et former une natte, le hasrir, qu'on met au sol. Comme ça, les tentations, elles sont présentées au cœur. Tu ne peux pas y échapper. Elles vont venir, elles vont te toucher, tu le veux ou tu veux pas. Mais il y aura deux manières. Celui qui les accepte, alors une tache noire sera faite sur son cœur. Et celui qui ne la suit pas, qui la refuse, qui prend aide auprès d'Allah pour ne pas la suivre, une tache blanche se mettra sur son cœur. Jusqu'à ce que les cœurs soient de deux sortes. Un cœur noir, ra'an, comme le goudron. Et un autre blanc, aussi lisse que le mont Safa, aucune impureté, ni aucune saleté, ni aucun péché ne peut s'y accrocher. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.